Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'était pas prévu du tout en fait que je fasse une petite série comme ça sur le chasseur de démons. Et je me suis dit, bah tiens, voilà que j'ai précommandé le jeu. On est le 20 août 2016, il est 10h40, j'avais pas prévu. Je voulais faire l'intro de la vidéo avec les chasseurs de démons, je l'ai fait. Et en fait ça m'a tellement intrigué que je me suis dit, il faut que je fasse une petite série là-dessus. Et j'ai vraiment envie en fait, voilà. Donc du coup, ce qui se passe c'est que quand on crée un chasseur de démons, hein, on est directement niveau 98, voilà. Donc il y a mon perso Nereag, vous connaissez, voilà, donc il est niveau 100. Vous verrez l'aventure en parallèle de tout ça, il n'y a pas de souci. Je dis pas que je ferai Légion avec le chasseur de démons, je dis que je ferai Légion avec Nereag qui est niveau 100 pour le moment. Vous devez être au niveau... peut-être au niveau 30, quelque part comme ça, vers la fin de l'été. Enfin bref, il y a 300 épisodes du 1 au niveau 100, donc tout ça... Il va falloir le prendre en compte, il va bien falloir comprendre que ça sera en décalé, mais ça sera en parallèle en même temps. Donc en fait, il y aura Nereag qui va augmenter en même temps que le chasseur de démons, et je ferai aussi une série sur Légion avec Nereag niveau 100. Voilà. Donc ça, vous avez une grande avancée en un coup. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais je veux en fait vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que tout simplement, je suis très très attiré par Légion, l'extension fait beaucoup parler d'elle, et j'ai vraiment envie de commencer à tester l'extension, en tout cas de ce qu'on a pu voir. Je pense qu'on pourra pas aller au-dessus du niveau de 100, donc on va faire les deux niveaux ici avec cette série. Donc on va déjà entrer dans le jeu. Je vous invite à aller regarder la vidéo de l'intro que j'ai fait pour bien comprendre le perso. Je mettrai certainement un lien peut-être là. Si j'oublie pas, je mettrai peut-être un lien là directement vers la vidéo. Donc nous voilà à Mardum. Voilà, donc ça c'est la zone apparemment. Désactiver le système d'aide. Non, ça va, ça je vais le garder. Donc c'est apparemment, c'est la fameuse zone qu'on a après avoir été envoyé par Illidan depuis l'Outre-Terre. Ici, il fallait qu'on aille chercher la pierre de... J'ai déjà plus le nom. Donc voilà mon petit perso. Donc on a... ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de voir déjà... On a deux spé, donc on a la spé dégâts et la spé tank, donc on pourra alterner comme ça, alternativement. Oh oh. Et alors je veux juste voir aussi les trucs, alors évidemment le grimoire, on a, qu'est-ce qu'on a comme compétence? On a quoi? On a reposé, donc 200 points d'expérience normaux gagnés en tuant des monstres. Non, n'importe quoi. Ah, je suis déjà complètement à la ramasse. Ruée fulgurante, d'accord. Vous chargez vers l'avant et brûlez tout sur votre passage, infligeant 12 000... Ok, d'accord, parfait. Il y a eu un autre... Non, il n'y en a pas. D'accord, ok. La clé de Sargeras est au cœur de mon plan pour vaincre la Légion Ardente. C'est aussi votre seul moyen de revenir. Parfait. Trouvez-la et regagner le temple noir. Donc petit event sympa en début de partie. Frappe du chaos, d'accord. Vous attaquez votre cible au cours de l'âme et infligez, d'accord. Donc pour l'instant on est attaque rapide qui inflige. Ok, d'accord, donc ça c'est bon. Ce que je voulais voir aussi c'était pour le reste. Ok. Eh ben, quand on a rien d'autre pour le moment. Donc ça c'est tout ce que moi j'ai déjà débloqué par après. Vu qu'on a les cornes, je suis curieux. Alors, j'ai mis des petites cornes parce que voilà, je trouve que perso, le perso allait mieux avec des petites cornes. Qu'est-ce que ça fait si du coup on met des casques par exemple, le casque, évidemment, là on va pas le voir. Ok, les cornes restent. D'accord, donc en fait, ils ont adapté toutes les trucs. Ça m'intriguait un peu de savoir, mais les cornes restent, c'est parfait, excellent. Et en ce qui concerne les montures, alors collection, monture, j'ai récupéré. Oui, j'ai toutes mes montures que j'avais avant, pas de problème, ok. Est-ce que je peux déjà les invoquer? Ça m'étonnerait. Alors, ah oui, évidemment. Alors, je suis en train de tout régler, je suis désolé. C'est vrai que c'était pas spécialement prévu que je fasse cette série. Barre d'action gauche. Non, droite. Barre informative à droite. Non, barre droite. Barre 2. Toujours affiché. Ok. Retour au jeu. Et là, normalement, je peux le... Voilà, j'ai l'habitude de les mettre sur le côté. Ok, et on peut déjà y accéder. Ok, bah c'est parfait. Allez, nous sommes partis. Désolé, ça fait 4 minutes. C'est vrai que c'est beaucoup par rapport au tour, mais il fallait que je vous explique tout ça. Il fallait que je découvre aussi le monde. C'est plutôt pas mal. J'explique aussi. Enfin, je le dis aussi. On est au max là pour le moment. On est au max. Ils vont recommander un peu moins, mais bon, c'est pas grave. J'ai combien d'FPS là pour le moment? 64 FPS, tout va bien. En enregistrement, c'est parfait, c'est le bonheur. Salut à toi. Azeroth ne doit pas tomber. D'accord, notre avant-garde de chasseurs de démons déjà ici, d'accord, engager le combat contre la Légion. Donc annonçons notre présence, d'accord. Tuer 15 démons, remplacer la bannière de la Légion pour rentrer... Ok, d'accord, c'est parti. On aura une jolie de route. Entendu le seigneur Illidan. Oui. Allons trouver cette clé. Donc pour l'instant, on est avec plein de petits... Grâce à elle, nous pourrons envahir tous les mondes de la Légion. Même Argus.
Pas de soucis. Tuez-les tous ! Ah, on a le double saut. Oh ! Oh la vache, ça c'est terrible par contre. Je savais qu'on pouvait... Donc en fait, en appuyant une fois sur la barre d'espace, on a un double saut. Et en appuyant deux fois, on a les ailes qui se déploient. Putain, c'est génial. C'est génial. Je vais aimer directement. Alors donc, Rué, donc vous chargez vers l'avant. Parfait, ok. Oula, merde. C'est quoi ça? J'ai pas vu le spectral, d'accord. J'ai fait combien de dégâts? 14. Oh, c'est pas trop mal encore. Hein. Petite pierre démoniaque tranquille. Donc, alors, allons-y. Oh, je sens que ça va me plaire. Je sens que c'est une classe qui va être bien sympa. On va peut-être la passer en DPS, tant que c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Hein. Moi, je suis plus bourrin DPS. Comme ça, il faut pas réfléchir. Faut vraiment pas réfléchir. Non, je pense que ça peut être pas mal. Hey, il y a déjà un autre joueur. Okay, parfait. Salut, toi. Ouais, c'est sûr qu'à 2 ça va toujours plus vite. Il y a pas mal de joueurs qui testent déjà. Hein. On est déjà 3, 4. Pourtant le serveur c'est la confrérie du Thorium, donc il est pas non plus hyper habité, on comprend. Mais je pense que ça va ramener tellement de monde que ça peut être vraiment pas mal. Donc j'en suis à 10, ok. Ça compte ça pour 10 ou pas? Non, je pense pas. Ah si, ça compte quand même. Ok, bah parfait. Au top. Tu veux te battre toi aussi? On a combien? On a 12, 13, 14, ça fera l'affaire. Alors évidemment j'ai pris un elfe de sang. Pour l'instant il y a deux races qui sont disponibles, le chasseur de démons. Il y a elfe de sang et elfe de la nuit. Je sais pas si après. Enfin, normalement dans le lore il serait pas. Ça serait pas bien vu de le faire concrètement. Hein, qu'ils fassent d'autres races. Mais s'ils le font, ça peut être bien mettre dans. Ouh, il est pas mal lui. Alors par contre j'ai toujours un problème avec le table, voilà. Donc, les mouvements sont sympas du perso, c'est plutôt nerveux. Moi j'aime modifier la bannière de la Légion, de go hein. Alors pourquoi je peux pas looter là en fait? Ah je crois que c'est que le truc automatique n'a pas été mis. J'ai pas dû activer le truc automatique. C'est ça, le truc automatique n'est pas activé. C'était dans quoi ça encore? Flou automatique, voilà. Ok. Ouais, c'est parti. Merde. Ah oui, d'accord, c'est que ça s'arrête pas en fait au truc que tu verrouilles. Ok, bon, bah ça s'arrête pas au truc que tu verrouilles, d'accord. Voilà! On a des petites cinématiques et tout, c'est bien sympa. Sienna, Jace, Alary, trouvez la clé. Et ils ont mis les maintenant, voyons comment les sous-titres. Ce portail. Ça, c'est très très bien par contre. Qu'ils ont été foutre les sous-titres dans les cinématiques. C'est vrai qu'on n'avait pas, je crois que c'est la seule cinématique d'intro, on a les sous-titres. Par exemple, l'intro de Rask, oh bah, hop, évidemment. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin du monde. Donc ça, c'est la zone où on est arrivé. Hein. Donc il y a des années de cela, sur Jera, c'est créé Mardum, d'accord. Pour y emprisonner les démons. Si on décide de consommer l'ensemble de la création, Mardum vole en éclat. D'accord. Ok, donc il faut qu'on trouve la clé pour s'en aller, tout simplement, d'accord. Nous devons nous débarrasser de cette crête. D'accord, bon, allez, vas-y, fais péter, hop. Invoquez vos troupes. D'accord. Okay, faites confiance au plan du seigneur. Alors, activez les trois portails. Du coup, on a quoi? Et faites venir le reste de. Donc, on est en cuir. Il me semblait qu'on pouvait mettre. C'est que du cuir parce que. Je vais massacrer ces démons. Je vous retrouverai au volcan. C'est bizarre d'avoir. C'est bizarre d'avoir un tank en cuir. Du coup, moi, ça me paraît bizarre d'avoir la possibilité. Je sais pas si on pourra mettre autre chose que du cuir. Mais sinon les glaives de guerre sont bien sympas, ils ont une belle gueule, hein. Franchement il n'y a pas à dire. On verra ce qu'on peut mettre comme truc. Donc attaquer la légende dans la... Oui ça c'est connu, ça c'est depuis
C'est plus Warlord of Draenor. Quoi qu'on on va peut-être aller le faire. Hein. Communicateur de la Légion, je pense que de toute façon je peux pas le faire tant que j'ai pas le truc, si. Je rêve où l'un des portails s'est activé. Ouais, c'est cool. Je veux un rapport complet sur le champ. Alors hop. Alors par contre, j'ai pas pris la version collector du l'extension. Ont été sacrifiés ici. L'activateur est alimenté. Ok, bah c'est cool. Et donc, invoquez vos troupes, ouais. Je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres endroits. Non, bah non, il y a que là. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Ah oui, j'avais fait le réflexe d'appuyer sur le sprint. Ça, c'est quand t'as un vieux réflexe de voleur. Bah ouais, et donc remplissez les objectifs bonus, ça va sauver. Mais ça me dérange pas de recevoir les bonus, mais invoquez vos troupes en activant le portail. Bah c'est ce que j'ai fait. J'ai activé le portail. Le seigneur Idan vous a mis en tête désormais, d'accord, l'instant. D'accord, alors là par contre j'ai activé le portail et je vois pas ce qu'il me veut là. Azeroth ne doit pas tomber. Le seigneur Illidan est notre guide. Il y aurait d'autres portails activés? J'en ai pas l'impression. Ah oui, voilà, c'est ça, ok, d'accord. D'accord, et ça te fait quoi exactement? Gangrène supprime sur le temps de recherche de votre compétence sur le gangrené. D'accord, ah non, c'était juste un buff. Attaquer la Légion sur dans les plaines. Bon, on va retourner alors, hein, puisque... C'est normal qu'il n'y ait plus personne, là. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. C'est pas possible, ça. Tu peux vraiment le faire autant de fois que tu veux. Sinon, la zone est plutôt pas mal. Tiens, il y a des trucs là-bas, portail de la Légion. Ok, d'accord. On peut pas monter plus haut que ça? Non, tu peux pas monter plus haut que ça. C'est pas grave. Allez, on va continuer le chemin. Moi, je sais pas, je comprends pas ce qu'il me veut là pour le moment. Je vais peut-être descendre là-bas. Sinon, les déplacements sont plutôt cool. Hein. On peut vraiment se faire plaisir. Bon, attendez, bougez pas. Voilà, c'est bon. C'est qu'il y avait 3 portails et que là j'en ai fait qu'un. Mais concrètement, le chemin est par où? Parce qu'en fait, là il est là. Et là le chemin bloque, à moins que ce soit sous le côté. Là t'as un autre portail là-bas. Communicateur, d'accord. Mais j'arrive pas à voir où est le chemin en fait. À moins qu'il veut que je saute sur. Parce que le chemin est là. Et donc il faudrait que je descende jusque là pour que je remonte par là. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. On est tranquille, on a trouvé. Ces choses crachent de l'énergie gangrenée qui corrompt tout ce qu'elles touchent. Ok. Ce que je propose aussi, c'est qu'on prenne peut-être un... Ben quoi? Je vais prendre un cheval ou un truc comme ça, non? Un truc terrestre, quoi. Je sais pas, je sais pas lequel, j'en sais rien. Ouais, alors on s'en fout, ça. Hop, ça fera l'affaire pour le moment. Je voulais un truc terrestre et je prends un truc volant. Super!
Ma vie est vouée à la destruction. Je peux pas attaquer. Bon, ben on va continuer là-dessus, hein. Apparemment, on chope 5 quand on détruit un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, ben continuons, continuons. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun ennemi, donc soit il y a beaucoup de personnes qui sont passées en un coup et du coup, il n'y a rien. Parce que là, j'ai plus aucun ennemi, je pense qu'il y a quand même des ennemis quand même, non? À moins qu'il y ait une grosse razzia sur le machin et que... Ah, voilà. Ben voilà des ennemis, parfait. Je vais te demander. Ici, les chasseurs sont chassés. Oh, top. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que il y a des joueurs qui avancent, qui défoncent tout. Alors, basilic abyssal, ouais, d'accord. Ouais, là je vais... Oh, bien, bien, bravo. J'avais pas vu que je faisais si peu de dégâts, en fait, par rapport au basilic. Ah, je suis sur le cul que le simple basilic, là, il était si difficile à tuer. Par contre, y a rien qui puisse me soigner dans les compétences. Pierre de foyer, d'accord. Par contre, ouais, dès que t'aggro le machin, c'est un peu la merde. Putain, au moins, je l'ai tué. Qu'est-ce que t'as de bien, toi, mon ami? Y a aucun truc qui me soigne dans le machin? Ouais, ça, c'est le stun de. D'accord. Racial. Il permet de voir les ennemis, les trésors, les barrières. Ok, il faudra juste faire gaffe un peu aux gros machins comme ça. Ils sont combien, là? Oh non, ça ira en plus. J'ai juste à attendre de récupérer un peu ma vie. Chasseurs de démons empruntent nos portails. Inquisiteur Pernicius, qui est là? Répondez. Attends, il faut que je trouve un autre en fait. Un autre machin. Une nouvelle victime à capturer. Et voilà. Donc on a 65, c'est un peu long pour le coup de se taper les machins. Ma vie est vouée à la destruction de la Légion. D'accord, on peut pas les libérer. Il faudra peut-être les libérer par après, j'en sais rien. Tiens, t'as un truc là. J'essaie de voir où je vais pouvoir simplement taper dans le temps. Hein. On va l'aider Stamila. Voilà. Allons faire ça. 67, on prend pas beaucoup, hein. Merde. Les
intrus. Alertez la reine de la couverte. Ok, allez, fais péter. Voilà, ça c'est fait. Avec 85, il faudrait que je trouve en fait les autres portails. T'as un portail là-bas ? Je pense en fait que ça va être débloqué quand j'aurai. Quand j'aurai fait les 100%. Destruction de la Légion Ardente. Je m'attaquerai bien à ça, mais je veux voir le niveau qu'il a en fait. Oh oui, ça va en fait, sans problème. Mourir dans glorieuse bataille. Voilà. Tiens, des bâtiments intérieurs. Ouais, t'as deux. Ah non, t'as juste là. Vos armées sont insignifiantes. Oui. Chasseurs de coups. Oui. Là. Alors voyons ça, ça c'est fait. Bah et du coup il faut toujours que je retrouve des espèces de portails. Parce que là, là il me disait en fait dans la quête que... Merde. C'était quoi la touche là? Ouais venez, y'a pas de soucis. Il y a trois portails de la Légion un peu plus loin que si je vais là. Ok. On est déjà activé. Hein? Faudrait juste que j'aille voir par rapport au truc. T'as la 1, 2, on va passer sur le pont. Et puis normalement, celui-là, ce sera bon. Hein, parce que ça, c'est censé représenter les portails. Là, j'ai compris ça comme ça, hein, donc au final. Je peux en faire le chemin. Il y a. Du coup, ouais, c'est t'as pas de joueur, mais t'as les aides évidemment qui sont été envoyées. Allez, quand tu veux! Voilà, c'est bon. Ouais c'est ça, hein. Ils sont là, 1, 2, 3, une fois que les trois portails seront là. Ce qui m'étonne c'est qu'en fait c'est qu'ils restent là par rapport au... à la quête. Ils auraient pu mettre des trucs, après voilà c'est peut-être mieux, enfin tu cherches un peu quoi. Tu cherches par toi-même. Tiens, t'as un PNJ pour parler là. Azeroth ne doit pas tomber. D'accord, d'espionner l'ennemi tout en communiquant à cœur, d'accord. Ne cédez pas face à la puissance de la Légion. Ok. Mort à la Légion. Bon bah go, hein. Ça, les ennemis sont pas non plus hyper puissants. Ça c'est tranquille, hein. C'est pas. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait que ça comme compétence, quoi. Donc on a plané, ouais, d'accord, frappe. Attaque auto, compétence d'armes. Pour l'instant, on est en dévastation. Ça vous permet de voir les ennemis. Il faudrait que je l'essaye, ça. Arme brisée, tuer un ennemi. Ok, d'accord. Bon, ben, on a que ça. Hein. Bref. Bon, il est où le troisième? Ah, ben, il est là. Parfait, excellent. Vermine, ta vie s'achève ici. C'était compliqué.
Bah, pourquoi il actionne pas celui-là? Il se fout de moi ou quoi? Attends, c'est une blague? Attends, j'ai actionné les trois et celui-là il veut pas l'actionner. Pourquoi il veut pas l'actionner celui-là? Attends, j'ai actionné l'autre là-bas. Ah, je te jure, je te jure, je te jure. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Impossible à utiliser au sol, mais je veux pas. Voilà. Avec que ce soit ça les portails, c'est possible, hein. Avant que ce soit gros machin, mais alors le portail serait là. Je vais aller voir quand même par curiosité. Avant que ce soit les gros machins les portails, c'est possible, ouais. Écoute, on va y aller, on verra bien, hein. Ah oui, non, je pense. Ils s'en foutent de ma gueule, c'est bon, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça, c'est censé être ça les portails, non? Alors pourquoi il a pas actionné? J'espère que c'est pas un bug directement dans le début de partie. Ça me gonflerait bien. Ça me gonflerait bien un bon bug comme ça. Ou alors c'est que j'ai peut-être pas fait quelque chose de bien, j'en sais rien. Là je profite un peu du perso, j'essaie de voir comment la classe est faite. Bon, c'est pas très compliqué, jusqu'à présent t'as que 3 trucs à attaquer. Hein. Ouais, ça ressemble à ça les portails, mais du coup. Je fais attaquer par quoi là? Va comprendre pourquoi le portail tout à l'heure s'est pas actionné. Bon attendez, je vais aller voir au début puisque je comprends pas pourquoi ça s'est pas actionné. Voilà, donc de nombreuses âmes. Voilà. Ont été sacrifiées. J'ai compris. Tada. Voilà un cadeau du seigneur Illidan. Mes troupes sont à votre service. Ah ouais? Nous vous aiderons à établir un avant-poste sur le volcan. C'est cool. Cendrelang, en avant! C'est cool. Et on l'a toujours ou juste comme ça, par question Ah d'accord, va falloir éviter ça. Bon, ben voilà. On a tout vu, c'est bien. Oh le boulet, sans déconner. J'essaie d'explorer aussi un peu la zone, ne pas spécialement que le chemin, pour voir si t'as pas des trucs un peu spéciaux, mais non apparemment vu que c'est la zone du début, elles sont jamais extraordinaires, même si elles sont pas mal, hein, elles sont jolies, hein. Mais Par ici. Voilà, mais non on peut avancer, merci. Si j'avais pas vu cette foutue le truc. Seigneur, il est dame et notre fils. Voilà. Libérer des... Non, ils ont osé, j'y crois pas. Plusieurs de vos chasseurs de démons sont en difficulté, d'accord. Ne cédez pas face à la puissance de la Légion. Et vous, ma vie est vouée à la destruction de la Légion. Okay. Je vous retrouverai au portail du rivage du bateau. Rien qu'à on frappe les ennemis situés, bah c'est cool. N'oubliez bonne chance. Allez hop, on a plein de trucs à faire. Je partirai pour l'avant-poste dès que j'en aurai fini avec ce démon. Allez, fais-toi plaisir, y a pas de soucis. Bon bah on va laisser faire ça. Hein. Et du coup la monture on l'a plus? Non je suis pas sûr qu'on l'ait, hein. C'est juste pour histoire de dire que. Ouais non à mon avis c'est juste ça, voilà. À mon avis tu l'as pas quand tu veux. Ah bah si voilà, elle est là. Et c'est quoi non? Grand gosse. Ah c'est une invocation. Ok parfait. Non mais c'est bien hein. C'est bien, c'est-à-dire que tu l'as. Du coup elle est dans le grimoire ou pas? Ouais, je suis pas sûr. Où est-ce qu'elle est? Double saut, gango. Non, à mon avis, elle n'est pas. Bon, allez, tiens, allons-y, parce que là. Je vous détruirai tous. Il n'y a pas de souci. Dernier. Du coup, je peux actionner ça. Azeroth ne doit pas tomber.
Ouais, d'accord, ok. Les clés d'âme. Parfait. Voilà. Tâche que là, c'est pas très compliqué. J'aimerais bien juste aller me faire... T'en as un, là ? J'exterminerai tous les démons qui croiseront ma route. Dépêchez-vous, le temps vous est compté. Akalekta, que la chance vous porte. Voilà, ça c'est fait. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin du monde. Voilà. Bah quoi, ça s'est pas fait. Je peux actionner le portail là, ça mènera à des... Voilà. Vous retrouverez au dernier portail. En tout cas, ça claque quand ça explose comme ça. Commandant Illidari, je vous présente l'église en taille. Le seigneur Illidan vous souhaite une prompte victoire. L'avant-poste a été établi, je suppose. Ouais, vas-y. Allons-y. Quand tu veux. Donc libéré. Formidable. On va faire ça. Encore un volcan gangrené. Ah, j'essaie de comprendre où sont les trucs. Ah, il est là, ok. J'en avais chopé deux. Voilà, on va en tuer un troisième pour que je puisse ramener les clés. Est-ce que ça fonctionne sur plusieurs niveaux le machin? Non? Faudrait que je teste pour voir s'il y a possibilité de l'attaquer depuis, depuis en bas ou en haut. J'ai pas reçu de clé, ça fait chier ça. Ah, ça les a one shot, c'est sérieux? J'aimerais bien choper des clés par contre. Ah mais t'as besoin d'une clé. Ah mais c'est parce que tout à l'heure j'en avais looté deux. Donc du coup je me disais que j'en avais besoin de deux. Oh alors là c'est laborieux tout ça, dis donc. Si faible. Mon énergie m'échappe. Voilà. J'ai bien failli succomber à l'énergie gangrenée qui se déchaînait en moi. Y'a pas de soucis. Bon bah les amis, on va se quitter ici parce que ça fait 30 minutes, on se retrouve pour le prochain épisode. Désolé, c'était un peu chaotique, je l'avoue. Mais ça n'empêchera pas le plaisir de continuer, n'est-ce pas? Allez, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, y'a plus tout le monde. Salut.